Bonjour, c'est Monsieur FTSFR, évidemment. Évidemment. Donc aujourd'hui, j'ai plutôt la pêche, on va dire. Parce que je viens de télécharger un nouveau mode sur FTS avec... Sur FTS 18. Donc voilà. Un nouveau mode avec les derniers nouveaux transferts. Et je vais vous montrer ça tout de suite, en fait. Donc déjà, on va analyser un petit peu. Donc, je sais pas vous, mais j'aime plutôt pas mal des jeux. Je sais pas si c'est français, mais la mise en page est déjà plutôt pas mal. Donc j'ai fait les réglages, hein, dans les paramètres, tout ça. Tout ce que j'avais à faire. Donc voilà comment c'est foutu un peu, on va dire. Pour les logos, voilà. De la première ligue, Ligue 1, Bundesliga, etc. On a tout. On a tout, les gens. Donc, par exemple, on a qu'à aller faire un tour déjà peut-être en Ligue 1. Donc vous voyez qu'il y a déjà le promu de Ligue 1 Amiens. On a aussi bah, l'autre promu Strasbourg et Troyes. Donc voilà, c'est vraiment génial. On peut aller jeter un coup d'œil, par exemple, voilà, avec les transferts de... Enfin, les joueurs. Donc je connais pas vraiment Amiens, donc ensuite bah par exemple on pourrait tiens faire un tour à l'OL, mon équipe de cœur. Mince, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Et vous voyez qu'il y a évidemment les nouveaux transferts. Bertrand Traoré. Qui on a encore Mariano Diaz. Bref, on est pas mal. On a vraiment. C'est vraiment génial. Il y a tout. On pourrait aller voir bah, le PSG du coup avec Neymar évidemment qui est là. Regardez Neymar 92 de général, c'est vraiment génial. Dani Alves aussi, nouvelle recrue du PSG. Qui on a encore bah, sinon après Lo Celso, voilà des nouveaux comme qui n'étaient pas Nkunku, Guedes, Yuri. Donc voilà, franchement. C'est vraiment, génial, c'est un truc de fou. Qui je voulais voir? Bah, l'OM aussi, évidemment. Avec Valère Germain qui est revenu, qui est là. Qui on a. Bon, par contre, ils ont fait une faute là avec NJ, ils ont oublié le I. Bah, tiens, c'est peut-être le moment de changer cette erreur. Donc, sinon, bah voilà. Hein. Rien à dire. Ubokan, voilà, une des nouvelles recrues aussi. Adil Rami. Donc voilà, bref, vous m'avez compris, il y a tout, je vais pas rester épilogué sur plein de... Sur plein de... D'autres équipes. Hop, on fait la petite modif. Donc normalement c'est comme ça. Tac, ça va être mieux. Donc voilà. Franchement, c'est plutôt cool, c'est génial, vraiment. Avec les logos et tout ça, l'OGC Nice, donc tout ça, voilà. Première ligue, pareil. Bon, par exemple, Everton, hein, puisqu'on a la recrue Wayne Rooney qui est revenu à Everton, par exemple. Lukaku, bah, du coup, qui est parti à Manchester. Comme vous le voyez là, Romelu Lukaku. Donc, franchement, voilà. Pour les brefs avis. Maintenant, ben, c'était voilà. En gros, cette vidéo, ça va être juste une présentation. Je vais pas faire de match. Une présentation de ce mode, du dernier mode qui est sorti en fait. Donc, pour la petite histoire, c'est un Portugais qui en fait, c'est un abonné en fait qui m'a montré sa chaîne. Et en fait, il sort des modes assez souvent. Voilà, avec les transferts aussi, ça bouge pas mal. Donc, il en fait, celui-là date d'il y a 3-4 jours. Donc, vous voyez qu'il est assez récent. Mais... Je l'ai téléchargé avec un autre youtubeur portugais parce que, en fait, je comprenais rien du tout, j'arrivais pas du tout, il me fallait des détails. Alors, je me suis. Voilà, c'est en portugais, donc j'ai pas compris vraiment, mais donc, il n'y a pas besoin de comprendre. De toute façon, vous regardez ce qu'il fait et je pense que vous saurez vous en sortir. Et de toute façon, je me suis aidé aussi de RoxySock parce qu'elle a fait aussi une vidéo explicative de comment télécharger un mod avec, sur FTS 15. Un mode, voilà, comment télécharger un mode. Donc je me suis aidé de cette vidéo en plus et bah, ça a été plutôt compatible et j'en suis venu à réussir parce qu'en fait j'arrivais pas au début à télécharger ce mode. Donc voilà, grâce à ces deux youtubeurs, voilà, ça a été plutôt complémentaire ces deux vidéos qu'ils ont fait. Donc
Voilà, c'est vraiment génial. Donc, ben, si vous voulez, je pense que je ferai une vidéo de comment télécharger ce mode, parce que je sens qu'il y en a plein qui vont me le demander. Déjà, on me demande sur l'autre que j'ai là actuellement. Donc voilà, je ferai une vidéo pour expliquer comment le télécharger, je pense. Comme ça, ben, il y en a déjà une qui existe, mais c'est en portugais. Donc, en France, je crois pas qu'il y en ait qui est fait avec ce mode-là. Donc, je vais vous faire une petite démo. Enfin, après, c'est pareil pour tous les modes. J'ai envie de dire, Roxysoft, vous regarder sa vidéo. Ben, c'est pareil, quoi. Vous arriverez à télécharger ce mode avec Roxysoft, quoi. Enfin, il vous faut juste les liens et tout ça, quoi. Mais donc, voilà. Je vais voir si je vais faire une vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo explicative comment télécharger ce mode. Et j'en ferai une, je pense. Donc voilà. Sinon, dernière chose par rapport à ça, c'est que je ne ferai pas de carrière manager avec, vu que j'ai déjà une avec FTS 18 et une avec FTS 15 que je dois finir et que ensuite, je vous rappelle, je supprime FTS 15. Et après, je resterai sur du FTS 18, sinon ça va. Mais par contre, les vrais matchs. Les matchs que je retranscris en virtuel qui sont diffusés en réel, je les ferai avec celui-là vu que bah, y a les mises à jour tout simplement avec Neymar, tout ça comme je vous l'ai montré, Valère Germain, Marseille et tout, etc. Donc voilà, ça servira seulement à ça et peut-être à d'autres choses, on verra en tout cas. Donc voilà, je tenais vraiment à vous le présenter parce que c'est un super mode en tout cas et j'y ai pas encore joué pourtant, donc je sais pas encore vraiment ce qui m'attend vraiment, donc comment c'est fait dans les matchs. Donc voilà, en tout cas, on verra ça. Et en tout cas, je vous dis ben, à la prochaine. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je télécharge, si je voulais que je vous fasse une vidéo explicative de télécharger ce mode. Et ben, s'il y a beaucoup de réponses, je pense que je le ferai. Donc voilà, sur ce, les gens, je vous mettrai dans la description le youtubeur Hans, je sais plus, mais je vous le mettrai, celui qui crée les mods en fait. Et à partir de là, peut-être qu'il y en a, ils sauront se débrouiller. En tout cas, voilà, je vous mets toujours ça. Et puis si c'est pas clair, ben voilà, je ferai. Donc voilà, sur ce, les gens, j'ai parlé beaucoup, mais voilà, je tenais à vraiment à le présenter. Donc sur ce, les amis, ciao, à plus pour une nouvelle vidéo. Hein.